histoire d'amour qui a débuté il y a 15 années. Aujourd'hui je l'ai délaissé. On est devenus des vieux, les fleurs ont fané. Aujourd'hui on m'appelle monsieur et c'est mes enfants que j'essaye d'élever dans un monde de détraqué. La musique m'a beaucoup aidé à voyager, à visiter mon voisin sans juger, pour m'apercevoir du bon côté de l'humanité. Tout est pas perdu, le soleil va toujours se lever, même au-dessus des moins dépourvus. Et ça, personne peut l'enlever. Tous ces bons moments passés, derrière le volant à foncer tête baissée. Maintenant j'apprends à être conscient, laisse mes rêves de côté. À force c'est épuisant, être boycotté fait partie de mes passe-temps. Le temps s'est écoulé, on est giflé par le vent. La brise nous réveille, on est bercé par les histoires des grands. Les seuls qu'on appelle les anciens, le rap est devenu malsain. On a boycotté le message de l'époque pour parler que de vagin. Le braquage est gueulé de coke, voici la musique de demain, qui entraîne tous les jeunes en tôle ou enterrés sous le terrain. Trop joue à gérer le terrain avec les keufs sur terrain. Mais t'es rien et sans savoir t'as rien. Ta conscience part par les souterrains, gouverné par pouvoir d'achat qui te fait croire que sans sous t'es rien. À la base la musique vient de l'âme et pas des âmes. Pour répondre la joie, pas les drames. Respecte les garçons et les dames, les MC. Revenons à la base, au lieu de glorifier le khalam. Le rap a changé de face, comme une pièce qui tombe pile sur le côté face. On est tous la même espèce, donc pourquoi se faire du mal? Dans le mécanisme il manque une pièce qui est reliée à ton âme. Ils visent la jeunesse pour leur plan macabre, voir des milliers d'êtres réduits en tas de cadavres. C'est le moment de relever la tête et de blâmer le blâmable. Ainsi que la misère du monde, faut pas tourner la page.